Salutations, eh ben, on va jouer à Is Vanish Domains, RPG de Falcom de 87, reprogrammé sur, par Sega sur Master System en 88. C'est un RPG, alors comme vous savez, les RPG c'est un peu long. Is, du coup, c'est une très longue série de RPG, il y a le 8ème notamment qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et ah oui, le timer qui est lancé. Hop. Et c'est une longue série en fait de RPG, ça, les RPG de Falcom, qui existent encore aujourd'hui. Bon, comme on sait, les RPG c'est un peu long. Et c'est. Time. Voilà, c'était Is sur Master System, on vous remercie. Bon. Comme vous avez été suffisamment sympa, vous avez donné assez d'argent pour qu'on fasse un tuto du speedrun. Donc, on va vous montrer, parce que faut quand même que. C'est très 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 compliqué. Bah, vous voyez, vous lancez le jeu. Donc peu importe en fait sur quel bouton vous appuyez, un ou deux, ça change rien. On a notre personnage du coup Adol ici, qu'on déplace avec les flèches. On a simplement à aller vers la gauche ou vers le bas, peu importe, mais dans tous les cas, ici on descend. Ce qui est important en fait ici, c'est de placer le personnage pour qu'il soit à la hauteur des fenêtres. On peut être un peu plus bas, on peut être un peu plus haut, mais un petit peu plus bas c'est mieux, mais ici c'est pas mal. On remonte, on va à gauche. On va simplement à gauche. Là il y a le PNJ qui nous embête, on va essayer d'éviter de lui parler. C'est pas grave si on lui parle, ça change rien. Et vous voyez l'arbre qui est sur la gauche de l'écran, il faut qu'il y ait un petit peu de pixels qui soit derrière. Une ligne ou deux lignes de pixels ou trois, c'est pas très très grave, mais c'est suffisant. Le setup a été amélioré justement pour que ce soit plus facile à faire. Avant, il y avait un setup, il fallait ouvrir le menu pour setup la RAM. Il n'y a plus besoin avec ce setup-ci, justement, qui a été trouvé par John UK, qui a le record du monde sur ce jeu. A savoir que les 30 temps qu'il y a sur ce jeu tournent tous entre 20 secondes et 24 secondes. Et ensuite, on va dans le magasin simplement, il suffit d'aller acheter. Alors, faut faire gaffe, par contre, faut pas ressortir et rentrer dans le magasin, c'est vraiment la première fois qu'on rentre dedans, sinon ça déconne. On achète le miroir, on reprend, voilà, on l'achète, 1000 pièces d'or. On t'en aura encore une fois, non mais tu viens déjà de l'acheter, c'est pas la peine. On reparle trois fois, on essaie d'acheter le miroir trois fois en fait, après l'avoir acheté. On sort, on se part. Et c'est la fin. Ça s'apprend en 2 minutes, vraiment. Alors, il y a une maxime qui dit, parce que la série Is se base sur la ville, en fait, d'Is en Bretagne, dans la baie de Douarnenez, qui est une légende bretonne. On ne sait pas si ça a vraiment existé ou pas, bref. Il y a une maxime bretonne qui dit « Quand sombrera la ville de Paris, rejaillira la ville d'Is ». Donc ça devrait pas trop tarder, normalement. Hein. Voilà, c'est tout pour moi.